résultat du match France-Royaume-Uni. La France s'est inclinée pour la deuxième fois cette année sur un score de 2 à 0 face à une équipe du Royaume-Uni extrêmement solide sur les appuis. Mais on s'en fout parce que grâce à nos 7 joueurs français, la France est qualifiée pour la BlizzCon. Bon, on est 3ème du groupe derrière le Royaume-Uni et l'Espagne, mais c'est pas grave. On n'a pas encore la date des prochains matchs ni l'identité de nos adversaires, donc on se retrouvera en octobre-novembre pour la suite de cette Coupe du Monde. D'ici là, on va continuer les portraits, les vidéos en tout genre et plein d'autres trucs, donc abonnez-vous. Encore merci à Anae, Lutti et Oyoli pour les vidéos qu'ils ont fait, mais surtout Enravota pour l'énorme taf de l'ombre qu'il fait. Vous le voyez peut-être pas, mais c'est lui qui fait les highlights ou vous répond en commentaire par exemple. Donc envoyez-lui un max de cœur dans les coms. Et pour une dernière fois, je vous laisse avec les highlights. On a Ultimate de Winston, ça c'est du côté UK. De l'autre côté, on a les deux Ultimates défensifs et on a surtout Ultimate de Poco. Oui, voilà, Amo qui va trouver une double touche et surtout un headshot. Et derrière, oui, sous le chemin de la matrice en musique à Kisabo. C'est un petit peu dans le jeu des Anglais. On a pris une ligne de tir, voilà, temporisé. On peut faire des miracles. Attention, là, j'arrache comment justement. Et il va mourir, oh, oui. Il va mourir, Jikaru, il a disparu. Oh, mais pas qui récupère un cul sur Memon, c'est parfait.